Enfin, vous observez bien comment elle fait, hein. Est-ce qu'elle fait que tourner? Non. Elle presse. Samy. Elle appuie. Elle appuie aussi, hein. Qu'est-ce qui vous dit que c'est fait exprès? Parce qu'il y a des petits pics, et si on le fait renverser là-bas, ça va pas tout aller dans le bol. C'est pour les pépins, mais les petits trucs. Ah, alors. Pour la pulpe? Ouais. Donc du coup, est-ce que la pulpe et les pépins, ils sont arrêtés que par ça? Oui. Non, pas. Ah. Bon, on a vu tout à l'heure qu'Amel elle avait une main pour tenir l'objet. Là, il y a combien de mains pour tenir l'objet? Trois. Donc il faut être deux pour poser un jus d'orange. Est-ce que c'est dur, Mathéo? Un peu. Alors que Amel, qui fait la moitié de ton poids sur l'autre objet, elle a pas trouvé que c'était dur. Hein. Je sais pas à quoi c'est dur. Plus petit, là, c'est plus gros. Ça sort ici pour que ça dirige le jus. Ça dirige le jus en dessous, ouais. Donc ça veut dire que c'est un presse citron ou un presse agrumes pour les gens qui aiment les pépins et la pulpe. Et alors la table elle est dans quel état? Il y en a un peu partout. Alors oui, je suis designer indépendant, donc je travaille à mon nom, pour mon propre compte, et je fais à la fois des missions de design et à la fois des missions d'architecte, parce que les deux activités se répondent et se complètent souvent. Donc, la manière dont je définis en fait, le designer, comme je l'ai expliqué aux enfants, pour moi c'est un peu comme une sorte de médecin généraliste. C'est-à-dire qu'il est là, il observe et il diagnostique le problème, et ensuite il va chercher la solution adaptée pour trouver une réponse. Ce qui fait que souvent le designer, on a l'impression qu'il est un peu partout, parce qu'il peut y avoir une meilleure réponse. La réponse la plus adaptée sera peut-être parfois le design numérique, parfois un design de service, parfois un design d'objet, parfois un design d'espace. Et donc du coup, il n'a pas forcément toujours les compétences pour faire tout. Mais au moins, l'idée c'est d'avoir la compétence de diagnostic pour aller chercher ensuite le spécialiste qui pourra nous aider à apporter la bonne réponse. Alors, lequel vous préférez? Qui préfère le vert? Je ne demande pas encore pourquoi, comment et tout, pas le côté pratique. Hein. Qui le préfère, le vert? Si vous aviez dans une boutique, vous pouviez prendre l'un ou l'autre. Qui prendrait le vert? C'est pas tout le monde. Hein. Et qui préférerait l'araignée, là, le Philippe Stark? Ah, donc moitié-moitié. Alors, pourquoi vous préférez le vert? Ça fait déjà. La pulpe. Rappelez, la pulpe et les noyaux, il n'y aura que le jus, donc c'est mieux. Hein. D'accord. Donc c'est parce que c'est plus pratique. Oui. Oui, voilà. Dis-toi. Je préfère le jus parce que c'est plus classe. Ah, c'est plus classe. C'est vrai. Et alors, est-ce que pour presser une orange, il faut être classe ou il faut être pratique? Bah, vous pratique. Avez dit que pratique. Vous comptez pas le côté pratique pour l'instant. On peut, ouais. Si c'est pas le côté pratique, si c'est pour le côté pratique, je préfère le pain. Mais alors du coup chez toi, pour presser une orange, tu vas aller chercher lequel? Et du coup l'autre, parce que l'autre dans la boutique tout à l'heure tu m'as dit que c'était celui-là que tu prenais. T'en fais quoi? Il le décore. Il le vend. Il le revend. Bah c'est bien. Moi j'aime bien parce que ça peut faire déco et en même temps ça peut servir. Ah, c'est important hein, ce que nous dit Enzo là. Ça peut faire et décoration et ça peut servir. Quel est le rapport entre le presse-agrumes et la bibliothèque, Maxence? On voit qu'il y a, par exemple, le,
Enfin, il y a un des presse-agrumes qui est la bibliothèque d'aujourd'hui. Et on a un autre qui est la bibliothèque de la rentrée prochaine. Pourquoi pas, ouais, on pourrait tout à fait voir ça. Parce que le prince agrume de Philippe Stark, il est beau, il est joli. Donc la bibliothèque, on va un petit peu la rendre comme le prince agrume. C'est un peu joli. Ouais. Bon, alors du coup, il va falloir qu'il y ait un peu plus... D'imagination. Je sais pas, parce qu'il en a beaucoup, Philippe Stark. Mais en tout cas, un peu plus de questions de confort, peut-être. Et d'utilité, mais tout autant de questions de poésie, que ça vous fasse parler quand même. Ça me saoule parce qu'il n'y a pas le presse-agrume. Ouais, mais ça, regarde, ça lui prouve qu'il en a fait plein d'autres. Ouais. Ça se trouve, il est marqué, là, regarde. Attends. En quelle année presse-agrume, production, lentable, tabouret. Ici, c'est pas marqué. Brosse Excalibur. Il n'est pas presse-agrume. Lance, fauteuil, lampe, lavement. C'est qu'est-ce qu'il est ? Il faudrait demander à Gart s'il est sorti quand, presse-agrume. Donc le problème, c'est une bibliothèque qui aujourd'hui fait à la fois office de bibliothèque et à la fois coin repas et bureau des enseignants. Donc il y avait cette juxtaposition des deux usages qui posait problème. Donc moi, j'ai choisi en fait d'emmener les enfants dans ma méthode. Et donc j'ai découpé les ateliers en fonction des différentes étapes de méthode que j'aurais fait si moi j'avais fait le projet toute seule. Donc d'abord on a observé les usages, on a observé les objets, on a observé le lieu, donc vraiment un relevé de l'existant. Ensuite on a analysé tout ça pour faire émerger du coup quels sont les problèmes. À chaque fois il y a aussi du coup des petites idées qui émergent, on les note dans un petit coin. Et ensuite aborder la question de l'ambiance, du concept global que l'on veut porter dans le lieu, comment ça va se traduire par la couleur, par les matières, qu'est-ce que c'est que le confort, réussir du coup à aborder des questions d'ergonomie, comment il se dirige dans la bibliothèque, donc comment il se repère, comment il classifie les livres. Ce qui fait que par tous ces ateliers, on aborde à la fois du design d'objets, puisqu'il va y avoir à la fois le design des étagères, le design du mobilier sur lequel les enfants du coup vont s'appuyer et pour faire leurs activités et pour lire. Donc design d'objets, à la fois design d'espace, puisque du coup il y a tout l'espace à revoir. On agit vraiment sol, mur, plafond, on a une liberté complète sur tout le lieu. Et à la fois, je dirais, design d'information. Là, donc, du coup, plus en termes d'orientation, comment les enfants vont bien se repérer, comment ils vont réussir à aller directement vers les albums, vers les contes, vers les livres. Donc là, il y a vraiment, je dirais, un travail sur l'interface de la bibliothèque en elle-même pour que, du coup, ils puissent se repérer, en fait. Comme on ferait de la signalétique dans un bâtiment, ben là, du coup... à l'échelle de l'étagère et de la bibliothèque. Comment se repérer au mieux? Ça, c'est l'équivalent, on va dire, de ce qui s'appelle un cahier des charges. Vous avez déjà entendu ce mot, cahier des charges? Non. Le cahier des charges, c'est tout ce que le client souhaite. Il va mettre dedans, dans un grand texte, tous ses besoins. Et donc ça peut aller à la fois du temps qu'il nous donne pour le faire, du budget qu'il va nous donner, et à la fois de combien de personnes vont devoir se servir de l'objet, comment il doit se nettoyer, tout ce à quoi il pense, il le met dedans. Et donc vous allez voir qu'il y a certainement des choses auxquelles vous avez pensé, et puis là le texte que vous avez, bah, peut-être que votre client, vous, il n'y a pas pensé, ou alors il ne savait pas. Donc ça fait partie aussi du métier du designer, de pouvoir poser des questions à son client pour mieux comprendre. Une fois installé dans ce coin lecture, je vois la fenêtre et les autres peuvent me voir. Pour y être bien installé, je veux y être couché. Mon dos calé, mes coudes sur un accoudoir et ma tête sur un coussin. Mes pieds, je souhaite qu'ils touchent le sol. Je peux lire calmement car la lumière est vive. Pour la couleur, j'ai choisi de mettre trois couleurs. Du bleu, du vert, du violet. Sur le dos, il y a le bleu, le vert à la tête
et le violet vers les pieds. Le plafond est vide et il est très haut. C'est comme un peu une sorte de revue. Le client, il dit c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, je veux ci, je veux ça. Et toi, aujourd'hui, designer, il va falloir que tu trouves des solutions à tout ce qu'il te demande là. Certains textes vous ont peut-être donné des indications, d'autres non, et c'est à vous de décider. Simplement, imaginez-vous. Vous seriez dans cette nouvelle BCD, là. Vous aimeriez que ce point lecture, il se trouve où? Alors, déjà, pour le projet du petit coin, on a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que c'est pas une idée vers laquelle j'essaye d'emmener les enfants. Moi, j'avance à l'aveugle comme eux. Et je me laisse surprendre par toutes leurs propositions. Donc le projet se construit avec leurs propositions, avec leurs idées au fur et à mesure du projet. Donc la plupart du temps, les enfants répondent à mon activité et j'apprends énormément en fait d'informations qui vont pouvoir me servir ensuite, comme par exemple quelle est leur situation, la position préférée dans laquelle ils aiment lire. Je l'avais oublié, et donc en fait ils adorent lire avec les pieds en l'air, les pieds tordus, ils sont comme ça, et du fait d'être là, de les voir, de passer du temps avec eux, de les mettre en situation, de les observer finement, du coup ça va nourrir le projet. Donc là c'est vraiment l'observation des enfants qui nourrit le projet. Là, c'est un tapis, c'est le tapis. On peut, là, c'est les lits de 6 places, on peut accueillir 4 personnes. Et après, ici, on va mettre, comme elle avait dit, une lumière vivante. Et on va mettre des couleurs violet, vert, comme ils avaient. On va la demander ici. Ils sont ici, pour les personnes. C'est couché, comme un lit de 2 places, donc j'ai fait 5 lits. Comme ça, déjà, il y a 10 personnes qui peuvent venir. Et aussi, on doit faire chacun son tour, comme on ne peut accueillir que 10 personnes et on est 24 dans la classe. Donc ça fera un moment 10, et 4 personnes qui restera. Donc en fait, il y en a qui auront le temps de choisir un livre et après, ça change un tour de rôle. Pour le côté couloir, parce que les portes, elles sont plus espacées. Du coup, pour faire les espèces de banquettes où on peut s'asseoir et c'est comme un matelas, on peut en mettre plus de place, plus de personnes. Et du coup, bah, au milieu, après, on pourra mettre des étagères ou des armoires où on peut consulter les livres. C'est peut-être un peu petit, parce qu'imagine, à ce coin-là, ça fait, c'était par exemple de la porte jusqu'en bas de l'estrade à peu près. Personne. C'est un peu serré, je crois. Ben, elle avait dit qu'elle lit et les autres, ils la voient. Et ce qui est là, c'est le coin qui est tout doux. J'ai demandé le sol turquoise et puis ils ont créé un turquoise. J'ai rajouté des lits pour 4 personnes, un tapis et... Après, il faut que je trouve pour les autres couleurs qu'elle a demandé, le vert et le rouge. Okay. Et le jaune. Et imaginez qu'il y a une pièce où il ne peut pas être tout seul et il pourrait être très, enfin, on pourrait être confortable. Un sol qui est chaud, un canapé qui est mou et où il peut se coucher. Un tapis qui est chaud et lisse. Dans la pièce où il est, les murs, c'est des vitres. Le coin où il lit, il y a manger de la salle. Il y a un mur blanc et un mur qui est bleu. Il y a un tapis avec des coussins pour lire assis. Et voilà, et après c'est fini.
Alors, à la base, il y a 4 classes du CP jusqu'au CM2. Donc, ça fait à peu près de 6 à 10 ans. Et puis, il y a une classe de CM1, CM2, qui est venue se rajouter et qui, elle, a été intégrée comme étant la classe com. Donc là, on aborde des questions de design de communication. Comment on fait un flyer, comment on va mettre en avant une information sur le blog de l'école, comment on rédige un article, comment on fait émerger une information plutôt qu'une autre, la place de l'image par rapport au texte. Tout ça, c'est du design d'information, donc j'essaye de les aider là-dessus. Et eux, du coup, suivent le projet et sont un peu les reporters de l'école pour informer à la fois sur le blog, à la fois sur un petit journal qu'ils sont en train de réaliser et qui sera du coup présenté lors de l'inauguration de la bibliothèque. Et puis donc sinon, 4 classes avec lesquelles on fait des ateliers chaque semaine. Et des ateliers qui durent à peu près entre 2 et 3 heures à chaque fois. Et en général, j'essaye d'avoir une thématique et j'adapte les supports pédagogiques et mes demandes en fonction du niveau et de l'âge des enfants. Alors peut-être que vous venez 3 par 3 venir chercher un petit peu de matériel. Le projet se met en place pour moi, donc du coup sur un premier mois pour réussir à décortiquer justement quelle va être ma méthode, comment vont être les ateliers, réussir à avoir une première trame. Et ensuite, il y a eu 8 séances avec les enfants, une de visite d'une exposition à la Cité du Design qui nous permettait simplement de nous rencontrer et aborder des questions plus générales sur l'histoire du design. Et ensuite, cet atelier, donc du coup à l'école, in situ avec eux, qui se sont déroulés de octobre jusqu'à la première semaine de février. Ensuite, moi, ma réflexion, elle glisse un petit peu entre les ateliers. Le projet doit être rendu fin février. Donc j'ai vraiment un mois en fait pour synthétiser toutes les idées et puis dessiner tout le mobilier et le projet. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir un mois d'échange avec les services techniques pour réussir à bien caler le projet techniquement et financièrement. Et ensuite, en fonction de ce qui va être dessiné, certains éléments vont être produits en atelier et donc la fabrication pourra commencer, je pense, à peu près des packs. Et puis pour ce qui est des travaux à faire dans l'école, ce sera fait pendant les vacances scolaires, les grandes vacances d'été, de manière à avoir et le temps et la place, ne pas déranger les enseignants, et qu'à la rentrée prochaine, en septembre, quand ils arrivent, ils aient enfin leur nouvelle bibliothèque.